le mélanger une fois, vous ne voudrez plus jamais faire une autre recette. C'est 100% naturel. Si vous vous sentez fatigué et sans énergie, les conseils d'aujourd'hui vous concernent, car le jus que nous allons vous présenter renforce vos systèmes immunitaires, améliore votre santé musculaire, améliore la santé cardiovasculaire, accélère le métabolisme, améliore votre humeur et aide à réguler la pression artérielle et le cholestérol. Alors, si vous avez décidé de prendre soin de votre santé et de mener une vie plus saine, vous avez sûrement envie d'en apprendre plus sur les remèdes qui peuvent vous aider, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez la vidéo avec vos familles et vos amis pour qu'ils puissent bénéficier des meilleurs remèdes faits maison. Le premier ingrédient de notre jus est la banane, qui est un fruit délicieux, présent dans la vie de nombreuses personnes, mais il y en a encore qui ignorent ses vertus. Vous pouvez utiliser n'importe quelle banane. Si elle est petite, vous pouvez utiliser jusqu'à 2. Ce fruit est excellent pour améliorer votre santé du cœur, car il est riche en potassium, un minéral électriquement conducteur nécessaire à la stabilisation du rythme cardiaque. La banane contient de la vitamine A, qui fait référence à une série de composés comprenant le bêta-carotène, l'alpha-carotène et les vitamines solubles qui sont vitales pour protéger notre vision et maintenir la santé de nos yeux. Ces composés préservent les membranes que nos yeux impliquent et aident au traitement de la lumière à travers la cornée. Un apport adéquat en vitamine A qui sert à réduire le risque de cécité nocturne, en plus de fournir suffisamment de glucides et de nutriments pour l'énergie. Ce qui est idéal pour les personnes qui font de l'exercice ou simplement pour les personnes souffrant de fatigue chronique. En tant qu'excellente source de potassium, les bananes sont très appréciées pour aider à prévenir les crampes. Ce fruit peut également être bénéfique pour votre cerveau, votre peau et vos os car il contient du manganèse et de la vitamine C. Le deuxième ingrédient est une céréale et nous entendons par céréale la farine d'avoine. Très riche en fibres et notamment bien pourvue en bêta-glucane, une fibre soluble, l'avoine participerait à réduire le taux de cholestérol sanguin. Le diabète de type 2, une maladie qui touche un grand nombre de personnes, se caractérise par un taux de glycémie trop élevé. Généralement, cette affection résulte d'une sensibilité réduite à l'insuline, une hormone qui diminue le taux de glucose dans le sang. Mais grâce à la fibre soluble bêta-glucane, manger des flocons d'avoine aide à augmenter la sensibilité à l'insuline et à abaisser le taux de glycémie. L'avoine contient des antioxydants, des anti-inflammatoires et certains nutriments tels que le zinc, le cuivre et le sélénium. Et en parlant de le troisième ingrédient, il est une source naturelle de fibres et de vitamine C. Stimule la digestion en douceur et réduit les troubles de la digestion. Ces mêmes fibres permettent de réguler le taux de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Ainsi, participent à la prévention des maladies cardiovasculaires et limiter les risques d'athérosclérose. Permettrait de prévenir certains cancers. La consommation d'agrumes réduirait les risques de cancer de la bouche, du pharynx et du tube digestif grâce aux antioxydants qu'ils contiennent. Grâce aux carotenoïdes qui vont stimuler la production des cellules osseuses et stimuler l'absorption du calcium, est excellent pour vos os. Connaissant tous les bienfaits de nos ingrédients, passons à la préparation de notre délicieux jus. Pour cela, vous aurez besoin d'une banane, d'une tasse d'avoine, d'une orange et d'un demi-verre d'eau. Commencez préalablement par mettre votre avoine dans votre eau, puis laissez quelques minutes. Nettoyez ensuite votre banane et découpez en tranches et mettez dans votre mixeur. Ajoutez à cela votre tasse d'avoine trempée. Mettez votre verre d'eau et mettez le mixeur en marche pour rendre le mélange complètement homogène. Lorsque c'est fait, mesurez un verre de cette boisson et pressez votre jus d'orange pour augmenter au mélange. Remuez correctement puis buvez. Vous pouvez ajouter des glaçons à votre jus ou mettre au réfrigérateur pour une consommation ultérieure. Buvez ce jus une fois par jour ou chaque fois que vous êtes en manque d'énergie ou chaque fois que vous remarquez l'un des symptômes des maladies dénoncées plus haut. Voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.
En espérant que vous avez été satisfait et que vous prévoyez de préparer ce jus chez vous, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche et activez les notifications afin de voir plein de vidéos intéressantes. Laissez-nous en commentaire votre nom, votre ville et le pays depuis lequel vous regardez nos vidéos. Aimez et commentez. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil dans notre boutique en ligne www.rosemonifashion.com. Plein de surprises vous y attendent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous.